Au nom du Père, qui, Papa, qui, Solokele, Lukelo, Char, du Fils, dit, Papa, Dialungana, Kiangani, Salomon, le Pacifique, donc notre Seigneur Jésus-Christ, et du Saint-Esprit, trois fois disposé ici sur terre. Kimbangu 1er, 1887, 12 septembre. Je disais tantôt que nous prenons la parole à cet instant-ci d'où nous sommes le 16 avril l'an 2019 et évidemment dans le cadre de cette structure de communication média qui Mbongiste, média qui la parole la prenons toujours au nom de trois grandes puissances divines venues sur terre nous visiter entre 1914 le 12 février et 22 mars 1918. Papa Kisolokelukelo, le Père, Papa Dialungana, le Christ, le Fils Jésus, et le Saint-Esprit, Papa Kuntima Dianyenda. Les trois entités sur terre actuellement, le chef spirituel, sa divinité, Tata Kimbangu Kiangani, patron de la quatrième et dernière génération. Nzambi wause tusambanga. Le Tout-Puissant, le Mpungutu Lendo que nous prions. Fi namado. Lufinama, viens. Songe lendo kwa wantuanza. Montre ta puissance, que c'est toi le divin, l'omnipotent, l'omniscient, l'omniprésent, source de toute existence. Montre ta puissance à toute l'humanité, toute la créature de tout l'univers, afin qu'ils sachent que tu es le seul qui a même de pacifier, de diriger comme il se doit, et afin que nous, tes créatures, puissions te servir dans des bonnes dispositions. C'est tout ça, manga, finama. Paris, Parisis, cité. Laetitia, la cité de Lucette, hier, le Saint-Esprit, Tata Kuntima Diangienda, nous avait signifié que celui qui s'était fait prévaloir comme étant le prince de ce monde, d'ailleurs, il était prudent de se qualifier comme étant le prince
c'est que il savait qu'il y avait un père qui est le roi. Et ce roi, il s'appelle sa divinité. Tata Kimbangu Kiangani. Le Dieu que nos aïeuls avaient qualifié de Mpungutulendo. Nzambi Wause Tusambanga. Finamado. Songelendo kwa wantu wanza bakusadila. Et donc, kutata kunti madiangienda, le Kimbangu deuxième, le Saint-Esprit, dans sa deuxième forme physique, ici-bas sur terre. Celui-là même, durant 34 ans environ, 24 heures sur 24 heures, a entrepris cette action de la restauration de l'humanité. Bantu, l'humain premier dans sa place initiale. Bantu, Beto Bantu, nous les premiers puissions prendre notre disposition. Nzambi wawu setu sambanga. Fi namado. Viens, viens, approche. Papa Kimbangu Kiangani. Montre ta puissance à l'humanité entière. Afin que cette humanité entière puisse t'obéir et te servir dans des bonnes conditions. Songelendo kwao tsono mpasi bazayavo ngiyikakauya lenza ba Kusa Adila. Que tu es le seul, l'omnipotent, l'omniscient, l'omniprésent, Nkwatulendo, sa divinité, Tata Kimbangu Kiangani, a même puissance de servir. Wantwangangu beba nzanga nzambike naniko nsundidi beva vanga kibeba kayoko. Tout ce qu'il entreprend, ces gens qui font confiance à leur intelligence corrompue depuis l'Égypte antique, transportée ici en Occident ou dans la ville plus de lumière, Parisis, Isis, Laetitia, Lucette, le Tout-Puissant, Tata Simon Kimbangu. Dommage, les croyants, nous qui avons la foi en cet esprit créateur, Papa Kisolokelelukelo, cet esprit créateur, notre Seigneur Jésus-Christ, Tata Dialungana Kiangani, cet esprit créateur, Tata
Simon Kimbangu premier, Kuntima Kimbangu deuxième, Kiangani Kimbangu troisième, tel qu'il est. Hier, nous passions sur le tunnel de la cité et voilà que le cœur, la ville de Laetitia, de Lucette, cet endroit que les Hantes avaient érigé, ce substrat, était victime et qui provoque la désolation. Nous partageons la peine physiquement. Car, et c'est là notre sujet. Mes chers amis, le chef de l'État, et là je prends la parole en tant que messager africain, divinement zélé pour l'officialisation de l'union matérielle de l'ordre universel, Madzumu, M-A-D-Z-M-O-U, Diakongo, Godefroy, la paix de Dieu, Godi, Wenakubatele. Nous voulons partager la peine pour les ceux qui ont la foi en Papa Dialougana Kanga notre Seigneur Jésus-Christ, les Parisiens, dont la tristesse de cet événement, de ce qui s'est passé hier, le 15 de ce mois d'avril, l'an 2019. Tout un pan de l'histoire de ce territoire. Parisis. Lucisa Mavanga Mangipiti. Lukala Bana Banzambi. Mfumwa Longo. Vovele Mo. Notre-Dame. Quelle dame c'est? Quelle maman c'est? Est-ce que c'est la maman vierge que certaines institutions spirituelles avaient déifiée parce que nous sommes restés 30 ans avec eux? Cette vierge, est-ce que c'est Ngudia Longo? Oui, nous affirmons. Ngudia Longo, Nkaka Mwilukia Wanga. Ce mois-ci, dans quelques jours, on est aujourd'hui le 16, le 27 prochain, cette maman, l'étoile, Mwilu, Mwilu, l'étoile, Kia Wanga, celle qui a entendu Kia Wanga, qui vient corriger l'erreur de la première dame de l'humanité qui était victime du serpent de Chétan de Nkadiampemba, de celui qui s'était fait prévaloir comme étant porteur de lumière, Lucifer, Paris, ville lumière. Papa Kuntima Diangenda, le Saint-Esprit, révélateur de sens caché de choses, nous dira un jour que Shaitan, Nkadiampemba, Lucifer, quand il fait le tour du monde, sa chambre dortoir, Paris, Isis, à Paris, qui vient dormir. Mes chers amis, nous sommes les ambassadeurs de Tata Kimbangu Kiangani, l'omnipotent, l'omniscient, l'omniprésent, Nkwatuleno. Nous envoie Tata Simon Kimbangu Kiangani. Merci. Nkaka Mwilu Kiawanga, Marie Mwilu, Nzitani, Lufinama, Diangenda, Francina, Francina,
Merci pour l'encadrement. Paris en délit. Bampangi tusi mana muna salweki sunda kaka tusunda nzambi wause tusambanga fina mado. Bampangi tusimba na munasalweki luzolo lwamvangi tutalanga katusundisa mpive ya longo ya lungila mwawonsono sunda kakatusunda muna mvuluzi. Notre dame, quelle dame c'est? Quelle dame? Est-ce la Vierge Marie? La mère de Jésus? Celle-là qui est venue sur terre de nouveau? Un certain mois de mai en 1885 dans le Ntimanti, dans le village appelé Kingombe en Kamba, Nkakamwilu, l'étoile, le stellaire, porteuse des trois dispositions spirituelles célestes. La dame venue sur terre préparer le terrain, l'étoile qui a rendu la femme respectueuse le 7 mai 1885, naissance de Mama Marie Mwilu, l'étoile qui a ouanga, qui a entendu Nzitani. Respect qui a donné le respect à la femme. Cette référence aujourd'hui pour l'humanité. Épouse de Tata Kimbangu, le Saint-Esprit, celui-là même qui est venu ajuster l'évangile de notre Christ, l'onction qui a visité l'humanité à un moment de l'histoire, jusqu'à ce qu'il revienne le 25 mai 1916 à la nouvelle cité de paix, Nkamba, Yerushalem, Yerushalem, Nkamba. Mes amis, je suis dans l'émotion parce que le médiaki de ce Nsona est particulier. On est le 16 avril, le 10 avril dernier, le Saint-Esprit a commencé une action. Le 6 avril, je dis bien, le 6 avril dernier, donc jour J plus 10, à jour J plus 9, excusez-moi, à jour J
Ce Christ est Jésus. Et là, Papa Dialungana, pourquoi parle-t-on de laïcité? Soyons dans le vrai. Mes chers amis, pourquoi faire usage d'hypocrisie? Soyons dans le vrai. Parce que, à force de proférer les mensonges, eh bien, le mensonge te récupérera. Paris, Notre-Dame. Tata Kimbangu. L'accord qu'il signait avec De Gaulle pour que Paris soit libéré. Vous l'ignorez? Tata Kimbangu a signé un accord avec De Gaulle pour libérer Paris lors de l'occupation. La fille est née de l'église catholique romaine où nous sommes restés enfermés 30 ans durant. Soyons dans le vrai. Le pape Jean-Paul II l'avait déclaré que le Christ Jésus est né dans l'Angola du Nord, au nord de l'Angola. Maman Fatima, la Vierge Noire, en visitation là-bas, avait bien annoncé que le Christ Jésus est revenu. Et le pauvre pape, victime de cela, il a reçu des balles. Soyons dans le vrai. En Congo, cet organe qu'on appelle la langue pour transmettre les messages, ça s'appelle l'oudi, l'oudimi, c'est-à-dire dire vrai. L'oudi, l'oudi. Et en faisant usage de la science du trois quarts pour le bien-être de l'humanité, c'est-à-dire les deux principes qui nous régissent, la symétrie et la rotation, ça s'appelle l'oudi. Si tu dis pas le l'oudi, ça devient dilou, donc les pleurs. Et oui, les larmes. Si tu n'es pas dans la vérité, un jour tu pleureras. Parce que la vérité, c'est ça, le Christ Jésus. Papa Dialunga Nakiangani. La vérité, c'est cela, mon modèle politique. Tata Kisolo Kele Lukelo. Sa vérité. Tata Simo Kimbangu Kuntima Kiangani. Oui. La vérité. Mon modèle politique. Tata Kisolo Kele Lukelo Charles. Dieu le Père. Mon modèle politique. Sa vérité. L'a conduit en relégation. À l'âge de 7 ans, le jeune homme, jugé par une cour militaire. Mes chers amis, la vérité, l'oudi, l'oudi, l'oudi. Soyons dans le vrai. Soyons dans le vrai. Politique. Et là, je voulais m'adresser au numéro 1. C'est vrai, c'est un jésuite. Il a fait sa scolarité à Amiens, chez les jésuites. Mais jésuites, arrêtons l'hypocrisie. Mon cher Manuel, son excellence, président de la République de ce bon territoire, notre territoire, c'est le département du Congo Mbanza Kimbangu, parce que mon Congo naturel, nous avons des liens. Je vous ai dit qu'on va se rencontrer bientôt. Tout chef d'État qui arrive, depuis que Papa Simon Kimbangu m'a disposé des capacités d'action, en 99, j'étais à l'Élysée. J'ai adressé la lettre à l'époque Jacques Chirac. J'attends le rendez-vous. J'ai adressé la lettre à Monsieur Denagui Bosca, Nicolas Sarkozy. J'ai adressé le courrier à Monsieur Hollande François. Vous venez d'arriver. Vous semblez partager une foi chrétienne. C'est bien. Restons dans le vrai. Restons dans le vrai. Le vrai. On va se voir bientôt. Dieu avec nous. Manuel. Emmanuel. Dieu avec nous. Tata Simo Kimbangu Kiangani. Il est avec nous.
Et nous, on est ses ambassadeurs. On est ses envoyés diplomatiques. Ma capitale naturelle, spirituelle, Nkamba, j'avais dû dire cela à son excellence. À l'époque, ambassadeur du Congo, dans le royaume divin Congo, la RDC, quand tu m'as visité en février en 2016, en plein centenaire de notre Seigneur Jésus-Christ, Papa Dialongana, je l'avais dit, votre territoire, on va s'en occuper. Parce que mes frères et sœurs, ou mes enfants, parce que vous êtes mes enfants, on va en prendre soin. Et cela, dans la vérité, et non dans le jésuisme, dans le jésuitisme. Non. Pas, laissons les jésuites. C'est pas Ignace de Loyola. Ignace de Loyola, il est venu apporter le Christ. Mais Papa Simon Kimbangu a dit la vérité de cela. Donc, Son Excellence, mon cher Dieu avec nous, Macron, on va se voir bientôt. Faut qu'on fasse le point. Restons dans le vrai. Quelle dame, Notre-Dame. Que serait devenue cette civilisation de conscientisation et de libération intégrale des peuples opprimés, cette civilisation initiée sans hésitation par Tata Simon Kimbangu sous l'inspiration dans le contexte tumultueux de la domination de cette coalition internationale représentée par le roi des Belges, Belgique, la magie de Bâle, sans la personne et l'engagement multiforme de celle que nous appelons à juste titre l'âme du kimbonguiste, du kimbonguisme, Ngakakiawaga Mwilo Mari Nzitani, l'icône de notre foi, Marie Mwilu Kiawanga Nzitani, Maman Marie Mwilu Kiawanga, ainsi que toutes et tous les Kimbangis, nous l'appelons affectueusement Ngudia Longo, Ngudia Toya Longo, l'épouse du Dieu le Saint-Esprit, le Père de Jésus-Christ, Tata Simon Kimbangu. Autant dire que l'envoyé, tout moi, Tata Kimbangu, tout c'est nous, tout moi, Yamfumeto Yesu Christo. Ainsi que cette personnalité exceptionnelle sont intimement liées à l'histoire. Elle est transfigurée depuis le 27 avril 59. Cette année, nous allons célébrer ces 60 ans, c'est-à-dire 7 mois avant la libération du kimbonguisme par l'État colonial belge, la coalition internationale, suivie après, évidemment, par la reconnaissance en novembre. Mes chers amis, la dame, quelle dame, Notre-Dame, Ngaka Mwilu Kiawanga, Nzitani, Lufinama, Dianyenda, Francina. Francina! Cette France-ci, quand elle est revenue, elle a foulé le territoire européen en 1966.
Et ça, sous l'ordre de Dieu le Père, tataki solokele. Parce que son père de fils, tata Kunzima Diangienda, n'était pas d'accord. Mais tata Kisolokele avait insisté. Il dit, faut qu'on les décomplexe de ces dispositions-là qui sont venues d'une manière impériale chez nous. Les, entre guillemets, alba, autrement dit blancs, albinos, les mfoumi, les mfoubiambi, les ndoundou, qui sont venus nous créer cette situation où nous vivons. Eh bien, Nkaka Mouilukia Wanga, toujours, elle foula le sol du Congo, Mbanzaki Mbangu, sous l'ordre de son père de fils, Papa Kuntima Diangenda. Eh bien, elle résida à Brazzaville, j'aime pas le terme, mais j'appelle ça Mbanzaki Mbangu, durant son jeune âge. C'est de là qu'elle est partie, quand elle était en vacances à Tchiela, pour vivre l'événement en 58 de la transfiguration de son père en son grand-père. Parce que quand Papa Kuntima Diangenda connurent cet acte de la libération, de la transfiguration de lui en son père, de Alukulu, Luankandandombe, le 29 juillet 58, elle se trouvait à Tchiela. À Tchiela, chez son fils de père, ou son père de fils, Tata Kisolokele. Et c'est là-bas que ce dernier s'approcha afin de pouvoir anéantir les forces occultes issues de l'Égypte antique qui étaient venues créer le comptoir à Mboma Mvumbi, parce que c'est pas Boma, c'est Mboma, le serpent que nos aïeuls avaient mis sur la tête à l'époque pharaonique. Quand ils ont quitté là-bas, ils sont venus se réfugier à Mboma Mvumbi. Les Mvumiambi, c'est-à-dire que après avoir pèleriné des années, eh ben, ils sont venus se réfugier à Vivi, l'époque Mboma, où d'ailleurs Nkaka Kinzembo, elle qui avait mis fin, donc qui pas vita incarnée, Ndona Béatrice, redevenue de nouveau sur terre, est allée finir la relégation, mettre fin plutôt à l'esclavage, à la fin du mauvais traitement du kimongisme. Parce que Tata Simon Kimbangu, on avait décidé ainsi. Certains sont montés, d'autres sont descendus. Et c'est là-bas que 70 ans après, 70 ans cette année, en août, nous aurons un grand événement. Nkaka Mouilukia Wanga, Diangenda Mouilou Marie Francine va célébrer ses 70 ans. Et Nkaka Kinzembo avait fini les 70 ans. C'est en 99 que Dieu le Saint-Esprit prit la responsabilité d'aller récupérer sa mère nourricière pour le refaire entrer dans le sanctuaire sacré où ils sont tous les toiles babanana. Mais là encore, nous manquons une place qui est vide. Ah, Nkakansa Lou, Akanda, Bouetou Vangila, Tata Simone Kimbangu, tu t'as dit langue. Tata Simone Kimbangu, Kiangani, tu t'as dit langue. Nkaka Simone Kimbangu, Kiangani, Ngeye Kwani, Touboudi de Vouvou, Kadi Nungu Numuna Ngeye Nina. Ngeye Nkitoudi, c'est toi qui peux nous transformer. C'est toi qui vas montrer ta puissance. Pense à ces âmes qui sont perdues et que tu le fasses rentrer au bercail. Ces âmes perdues qui puissent se ressaisir, qu'ils abandonnent la franc-maçonnerie, qu'ils abandonnent la rose-croix, qu'ils abandonnent toutes ces pratiques occultes qui sont contraires au kimongisme, telles que indiquées dans les textes de loi qui régit la nouvelle civilisation. Et là, si vous le voulez bien, je m'en vais en faire état et je terminerai peut-être certainement, si vous le voulez bien, mon propos.
toi l'humain sur terre. Toi l'humain sur terre. Écoute bien ceci. Toi l'humain, je pèse le mot, l'humain. Écoute bien ceci. Tata Kimangu Kuntsima Kiangani déclare. Si, par manque d'obéissance, nous étions partis, et Tata Kisoloki avait sorti ce peuple. Mukondwa kweto kwa luzitu, tata nge wa fwe manga. Mes chers amis, Tata Kimbangu nous déclare. Vous savez, la nature humaine telle que nous sommes, d'aucuns nous classifient par rapport à notre forme physique. C'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est le souffle de vie que nous avons nous. La peau, c'est rien ça. C'est vrai qu'on est l'original. Les autres sont venus sur terre. Je dirais entre guillemets, par erreur. Parce que si notre ancêtre premier, Nkaka Mbuki, n'avait pas exécuté ce que sa femme, Nkaka Eva Kenge, l'avait dit, tous nous serons tels que nous sommes là, naturellement, c'est-à-dire les Bantu, les Ntu, les premiers. C'est bien plus tard, Tata Kisolokele, dans sa colère, parce que lui, il rigole pas. Eh bien oui, mes amis. Tu viens, il te dit ce que tu es. Et il est capable de régénérer. C'est pour ça qu'il avait régénéré à partir de Jacob et Esaü. Ou on dira dans un premier temps, à partir de Noé. Cette forme de physique des humains sur terre. Et là, il nous dit ceci à travers mes collègues inspirés qui viennent donner ces cantiques. Mukondwa kweto kwa luzitu tatange wa fwe manga. Watu yekola kwa kanda diantalu jatu yala kanda diangolo jatu yala. Par notre manque d'obéissance, tata kisolo kile lokelo, tata delunga na kiangani, tata kuntima diangienda, tata kimbangu kiangani. Donc nous avait c'était fâché contre nous. Impasizi tu okelese mise toto nene. On est submergé de souffrances. Nous reconnaissons notre faute. Utu vutu la monte toi qui vuila. Ramène-nous au bercail, chez nous, dans notre propre terre, dans nos propres terres. Utu wa fu ma longo. Longo utu wa. Nous t'implorons, Tata Simon Kimangu Kiangani. Regarde comment la mort, la famine nous submerge. Nous t'implorons, miséricordieux, Tata Kisolokelokelo. Nous t'implorons, miséricordieux, Tata Delungana Kiangani. Nous t'implorons, miséricordieux. Sa divinité, Tata, Kimbangu, Kotima, Kiangani. Regarde les guerres, les sangs qui coulent partout, la désolation. Enki wawatu, wawati le kindombe, Tata Simon. Enki wawati le kindombe, Tata Simon. Mpasi watu kitula. Utuvutula monsieur toi qui vuila. Mes chers amis, suivons une fois de plus. Voilà, il va montrer sa puissance. Ah oui, il va le montrer. Quelle dame, notre dame. Est-ce que c'est la dame, soyons dans le vrai. Et la vérité va nous affranchir. La vérité va nous libérer. Arrêtons l'hypocrisie. Arrêtons l'hypocrisie. Soyons dans le vrai. Loudi, loudi. Quand tu dis loudi, loudi mi, loudi, tu dis la vérité. Si tu fais pas le contraire, si tu fais le contraire de loudi, ça devient dilou.
Et puis, il y a la désolation. Tata qui m'en parle. Oh! Suivons. Civilisation. Oh. Dame, quelle dame? Est-ce Ngudia Longo ou bien une certaine disposition contraire issue du serpent de Ngipiti? Ah, ça, je vous ai toujours dit, sa divinité, Tata Simon Kimango Kiangani, nous éclairera là-dessus. C'était le Mediaki de ce jour. Mardi 16 avril l'an 2019. Comme qui dirait en Kimbango Mona, qui a koumi et moi aussi. Lumukaki qui a Katwena, Kansona, Mungonda, Yakintombo, Mvu, Oluvoa, Yenana, 98. J'ai qui, mes amis? Ebeto bien, Ebeto, Tata. J'ai qui? J'ai sa divinité, Tata Kimbangu, Kuntima, Kiangani, Mwanda Lodi, Wavelela. À très bientôt mes amis. Au revoir. C'est mon ami.